Ok, merci d'accueillir nos amis en plus petit comité aujourd'hui, mais je pense que certains sont peut-être en train de braver l'interdiction du pasteur de profiter du soleil. Comment ne pas rater ta vie? Voilà notre question cet après-midi. Et déjà, vous êtes venus au dimanche de la forme, ça commence bien. Je vous propose de prier avant d'aller plus loin. Prions ensemble. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour la joie et le privilège de te connaître. Nous voulons te louer pour tes projets, tes desseins bienveillants, ton œuvre au milieu de nous et dans notre monde. Père Céleste, merci parce que, comme nous l'avons vu ce matin, tu as des projets glorieux pour nous et des promesses magnifiques pour notre monde. Mais en attendant, tu veux nous travailler et nous transformer, et nous voulons te demander ton aide avec ça cet après-midi. Donne-nous des cœurs attentifs, à l'écoute, pour que nous puissions recevoir ce que tu souhaiteras nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, on a commencé une nouvelle série d'ateliers qui s'appelle « La vie chrétienne normale ». Ça consiste en quoi d'être chrétien? Ça signifie quoi de suivre Jésus au quotidien? Est-ce qu'on continue de vivre comme tout le monde? Ou pas? Quelle est la vie que Dieu veut pour nous? Et la dernière fois, peut-être que vous vous souvenez, on avait vu qu'être chrétien, c'est vivre pour la nouvelle création. Être chrétien, c'est vivre pour la nouvelle création. Le nouveau monde que Dieu a promis. Et on a vu que toute la Bible nous dirige vers ça. C'est là, dans la nouvelle création, que le plan de Dieu s'accomplit, que ses promesses s'accomplissent. Ce monde-ci contient beaucoup, beaucoup de belles choses. Je viens de rentrer une semaine de vacances, et que vous aussi, vous avez pu profiter un petit peu du soleil, etc. Beaucoup de belles choses dans ce monde, mais il reste un monde brisé. Dieu nous sauve pour une merveilleuse nouvelle création et il nous invite à vivre pour ça dès aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pu réfléchir là-dessus depuis la dernière fois. Au dernier dimanche de la forme, j'avais donné l'exemple d'un ami qui, quand il a compris combien la nouvelle création est importante, a choisi de faire quelque chose de radical, de mettre son réveil un quart d'heure plus tôt chaque matin pour méditer là-dessus. Que vous allez commencer à faire la même chose. Parce que être chrétien, c'est être sauvé pour la nouvelle création, c'est vivre pour elle dès aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, c'est ça notre question aujourd'hui. Une fois que j'ai terminé mon quart d'heure ou mes 3 minutes de méditation le matin, ensuite je fais quoi? Qu'est-ce que je fais dans le reste de la vie? Est-ce que je passe ma journée à regarder par la fenêtre? Est-ce qu'il va revenir aujourd'hui? J'ai jamais osé quitter la maison. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre pour la nouvelle création? Ou dit autrement, qu'est-ce qu'une vie réussie si Jésus va revenir? Comment ne pas rater sa vie si on est chrétien? Quelques minutes pour en discuter. Je prends donc 3-4 minutes et dans l'email, vous trouverez en haut de la page 1 un petit encadré, plus quelques questions. Donc vous pouvez discuter autour des tables, juste pendant 3-4 minutes, et puis on reprendra ensemble. Alors je ne sais pas ce que vous avez pu dire autour des tables. Qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien de réussir plutôt que de rater sa vie? Au cours de l'histoire, on a proposé pas mal de réponses différentes à cette question-là. Juste un petit éventail des options. Selon certains, par exemple, la vie à rechercher en attendant que Jésus revienne, c'est une vie où on vit victorieusement. Écoutez cette citation du pasteur d'une très grande église, quelque part en Asie,
ne vais pas donner son nom parce que je ne veux pas que vous alliez lire son livre, à qui dit ceci. Vous êtes destiné à régner dans la vie. Vous êtes appelé par le Seigneur à réussir, à jouir de la richesse, de la santé et d'une vie de victoire. Ce n'est pas le désir du Seigneur que vous viviez une vie de défaite, de pauvreté et d'échec. Il vous a appelé à être la tête et non la queue. Si vous êtes un homme d'affaires, Dieu veut que vous ayez une entreprise prospère. Si vous êtes une femme au foyer, vous êtes loin pour élever des enfants merveilleux dans le Seigneur. Si vous êtes un étudiant, Dieu veut que vous excelliez dans tous vos examens. Et si vous faites confiance au Seigneur pour une nouvelle carrière, il ne veut pas seulement que vous ayez un emploi, il veut que vous ayez une position d'influence afin que vous puissiez être une bénédiction et un atout pour votre organisation. Quelle que soit votre vocation, vous êtes destiné à régner dans la vie parce que Jésus est le Seigneur de votre vie. Quand tu règnes dans la vie, tu règnes sur le péché, tu règnes sur la puissance des ténèbres, tu règnes sur la dépression, sur la pauvreté, sur toute malédiction et sur toute maladie. Qu'est-ce qu'on pense là-dessus? Quelle vie à rechercher en attendant que Jésus revienne, selon lui et d'autres qui pensent comme lui, une vie victorieuse? Je dirais simplement que si c'est ça une vie chrétienne réussie, j'ai un problème. Parce que ma vie n'est pas comme ça, et la vôtre non plus, je pense. Si je règne sur toute maladie, pourquoi je viens de la recueillir? Je devrais peut-être m'inquiéter. Pour d'autres, ne pas rater sa vie en tant que chrétien implique de vivre non pas victorieusement, mais craintivement. Cette image remonte un peu plus loin dans l'histoire, au Moyen-Âge. Le tableau de l'échelle sainte, qu'on peut trouver dans un monastère en Égypte, et qui représente, je pense, assez bien comment beaucoup de chrétiens ont abordé la vie au cours des soirs. Craintivement, parce que le but de cette vie serait de grimper l'échelle vers Dieu en essayant de gagner son salut. Et beaucoup de personnes voient toujours les choses de cette façon-là. Faites un maximum d'efforts, marquez un maximum de bons points, essayez d'être le plus vertueux possible et peut-être vous arriverez en haut de l'échelle. Et puis, il y a ceux, et c'est à mon avis le plus grand danger pour nous, pour qui réussir sa vie en attendant que Jésus revienne, c'est vivre comme si de rien n'était. Que Jésus revienne ou pas, ça ne change pas la chose. On peut avoir les mêmes objectifs que tout le monde, les mêmes critères de réussite, peut-être juste avec un petit saupoudrage de valeur chrétienne. Le philosophe athée Michel Onfray dit qu'à viser le paradis, on manque la terre. Si on choisit de vivre pour le retour de Jésus et pour sa nouvelle création, on passera à côté d'un vie ici. Et même si on ne partage pas l'athéisme d'un Michel Onfray, je me demande si parfois on ne pense pas à la même chose. À viser le paradis, on manquera la terre. La dernière fois, j'avais évoqué ce que j'appelle l'évangile bourgeois. Cette version de la vie chrétienne qui dit qu'on peut avoir les mêmes buts que tout le monde, juste des moyens plus vertueux d'y arriver. Je veux la même belle voiture que tout le monde, je ne vais juste pas tricher sur mes impôts pour me l'offrir. Mais que dit la Bible? Comment ne pas rater sa vie en tant que chrétien? Et voici la réponse que je vous pose cet après-midi. C'est que pour le chrétien, ne pas rater sa vie, c'est assumer pleinement le fait d'être en chemin vers la nouvelle création. Pour le chrétien, ne pas rater sa vie, c'est assumer pleinement le fait d'être en chemin vers la nouvelle création. Dieu nous a sauvés pour ça, à nous d'en tirer les implications. Et les implications, je vous propose, peuvent se résumer en deux mots. Tenir et investir. Tenir et investir. Priorité numéro 1 pour le chrétien, tenir dans la foi jusqu'à notre arrivée dans la nouvelle création. Priorité numéro 2,
investir dans les choses qui comptent en vue de la nouvelle création. Tony a réinvesti. Premier point simple, ne pas rater sa vie en tant que chrétien, c'est d'abord tout faire pour arriver dans la nouvelle création. Juste y arriver. Ça va être à vous de travailler encore. Dans l'encadré, page 2, vous avez un texte tiré de la lettre aux Hébreux dans la Bible. Et c'est un texte qui compare notre situation à nous aujourd'hui, en tant que chrétien, à celle des Israélites quand ils traversaient le désert. Vous allez voir ça. Petit rappel de l'histoire, Dieu avait sauvé les Israélites de l'esclavage en Égypte et avait promis de les installer dans la terre promise. Avant cela, il fallait traverser le désert et puis prendre possession du pays. Et quand ce texte parle d'une révolte, comme vous allez le voir, il s'agit du moment où les Israélites, qui n'avaient fait que râler pendant le voyage, arrivent à la frontière de la terre promise. Dieu leur dit « Allez-y, c'est pour vous !» Et eux répondent « Non, mais si, trop dur, on n'y va plus. » Et donc Dieu répond « Ok, vous mourrez dans le désert. » C'est à vous. Lisez le passage, et puis vous avez quelques questions. On pourra prendre peut-être 7-8 minutes pour cela. Et puis on reviendra ensuite. J'espère que vous avez eu quelques échanges utiles. Je vais vous demander de faire un exercice d'observation. Je vais vous demander de regarder vos pieds. Est-ce que quelqu'un voit, vous pouvez garder vos chaussures, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un voit ses pieds s'enfoncer dans le sable? Les amis, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sable qu'on n'est pas en fait dans le désert. Ça, c'est le message de ce passage. Vous pouvez arrêter de regarder à nouveau. Selon le passage que vous venez de lire, être chrétien, c'est être en train de traverser le désert. Dieu avait sauvé les Israélites de leur esclavage pour le repos de la terre promise. Dieu nous a sauvés de notre péché pour le repos de la nouvelle création. Et comme eux, nous avons été sauvés d'une situation malheureuse pour une destination glorieuse. Entre les deux, il y a un désert à traverser. Alors déjà, ça met notre vie en perspective, non? Nous sommes en voyage. On n'est pas là simplement pour profiter du moment présent. On a une destination à atteindre. Le week-end dernier, j'ai roulé de Paris jusqu'au sud-est de la France pour une semaine de vacances, à 750 km, avec 3 enfants derrière. Je peux vous dire que j'étais assez pressé d'arriver. Et ça, c'est juste à cause de mon beau-frère Pierre. Donc, sans parler des enfants. Ça, c'est une blague, ne me dites pas ça. À aucun moment pendant le voyage, je ne me suis dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'arriver? Pourquoi pas juste rester dans la voiture, nous poser à la station-service et profiter des machines à café? On voulait vraiment arriver. On n'a pas commencé le voyage, on n'a pas le terminer. Et même chose avec la vie chrétienne. On a une destination. Et on doit tout faire pour y arriver. Regardez encore le verset 14, qui dit ceci. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, notre position première. Alors c'est un verset un petit peu compliqué. On est 10 secondes pour le relire. Qu'est-ce qu'il veut dire cela? En effet, nous sommes devenus des compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Est-ce que quelqu'un a une
idée de ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un arriverait à dire ça avec ses propres mots? C'est une question que j'ai. Est-ce que ça veut dire que des personnes qui ont donné leur vie à Dieu, mais qui à un moment donné ont connu une période de souffrance et se sont égarées, mais ne seront finalement pas sauvées? On va revenir à cette question-là. Donc, est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont commencé avec Jésus, et puis qui ont souffert, et puis qui ont. Comment tu avais. Qui se sont égarés, est-ce qu'ils seront sauvés là-bas? Je pense que le moins qu'on puisse dire sur la base de ce verset, c'est que le plus important n'est pas de démarrer dans la vie chrétienne, c'est de terminer. Le plus important n'est pas de démarrer dans la vie chrétienne, c'est de terminer. Nous sommes considérés comme les compagnons de route de Jésus si et seulement si nous terminons le voyage avec lui pour entrer dans la nouvelle création. Si et seulement si on croit toujours en lui au moment de le rencontrer, à notre mort, quand il revient. Et donc réussir sa vie, c'est d'abord ça. Tenir jusqu'à la fin. Et on doit prendre ça très au sérieux. Regardez le début du dernier paragraphe, le verset 1 du chapitre 4, qui dit ceci, « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » Vous avez entendu le vocabulaire « redoutons » Pas « tranquillou, faites votre vie ». Redoutons, il y a de vrais enjeux. Les Israélites qui ont été exclus de la terre promise avaient été sauvés des Égyptiens. Ils avaient commencé le voyage. Mais ça ne leur a servi à rien parce qu'ils ne l'ont pas terminé. Et nous ne devons pas être comme eux. Démarrer le voyage, c'est bien. Mais ça ne sert à rien si on ne le termine pas. Et je dirais que si cette idée-là nous secoue un petit peu, c'est une bonne chose. Les enjeux sont réels. Je pense à cet ami de quand j'étais étudiant, que j'ai recroisé quelques années plus tard. Tu vas dans quelle église en ce moment? Bien, je t'avoue que je ne me présenterai plus vraiment comme chrétien. Ou ce directeur de colonie de vacances chrétienne qui, à un moment donné, a tout remis en question et a tout plaqué. Ou ce gars avec qui on a lu la Bible ensemble pendant quelques années, qui s'est mis en couple avec quelqu'un qui ne partageait pas sa foi et qui a tourné de dos à l'église. Je crois fortement que Dieu garde les siens. Je ne peux pas non plus fermer les yeux sur les personnes qui semblent faire demi-tour. Démarrer, c'est bien. Le plus important, c'est de terminer. Et donc, avant d'aller plus loin, les amis, j'aimerais vous supplier, quand vous pensez à vos buts dans la vie, quand vous pensez à ce que serait pour vous une vie réussie, est-ce que je peux vous supplier de mettre en haut de la liste le but de tenir dans la foi en Jésus jusqu'au bout? Est-ce que je peux vous supplier de faire ça? Pas d'être quelqu'un d'extraordinaire, pas de faire des choses extraordinaires, d'avoir une vie extraordinaire, simplement de tenir dans la foi en Jésus jusqu'au bout. Je voudrais vous demander de régler cette question dans votre cœur dès aujourd'hui. Une vie où on réalise nos rêves d'enfance, où on coche toutes les cases sur notre bucket list, notre liste de choses à faire absolument avant de mourir, où on arrive à vivre dans la prospérité et le confort, mais où, à la fin, on ne croit plus en Jésus, ce n'est pas une vie réussie. C'est une vie ratée. Et c'est le plus triste des échecs. Quand on rencontrera Jésus, la question ne sera pas « Est-ce que j'ai cru en lui un jour ?» Ce sera « Est-ce que je crois en lui aujourd'hui ?» Régler cette question dès aujourd'hui. Mon but numéro un, tenir dans la foi en Jésus. Alors comment tenir? Je pense qu'un passage comme celui-là est là pour nous réveiller. Il n'est pas non plus là pour nous angoisser. Comment tenir? Est-ce qu'il faut juste serrer les dents? Est-ce qu'il faut s'enfermer dans l'église? Rester entre nous, je m'enferme dans le placard, je vous retrouve la semaine prochaine. Comment tenir? Je pense que là aussi, ce passage d'Hébreux nous aide. Regardez encore la première phrase. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes en voyage, nous ne sommes pas seuls pour autant. Dieu nous accompagne et les principales bénédictions qu'il nous donne dans cette vie ne sont pas santé, richesse et prospérité, ce sont les bénédictions pour nous aider à tenir, tout simplement. Et la première, c'est sa parole. Écoutez sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mes enfants commencent à avoir l'âge pour faire des randonnées. Et on part toujours avec de l'enthousiasme, ça court, ça chante, tout le monde est content. Et puis petit à petit, on commence à traîner des pieds. Qu'est-ce qu'il faut dans ces moments-là? Quelqu'un pour dire, vas-y papa, baisse pas la tête, plus que 50 km à tenir. Des paroles d'encouragement. Et c'est ce que Dieu nous donne. Son esprit nous aide à tenir en nous parlant pendant le voyage. La voix de Dieu nous crie dans les oreilles à partir de la Bible. Vas-y, baisse pas la tête, tu vas voir, ça va être génial à l'arrivée. Parfois, les gens se demandent qui c'est qui nous fait persévérer dans la foi. Est-ce que c'est Dieu, comme le dit un chant qu'on a chanté ce matin, gardé par sa main meurtrie, etc., je ne me souviens plus de la suite. J'attends l'heure de son retour, merci. Gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Ou est-ce que c'est à nous de faire en sorte de persévérer? C'est à Dieu ou c'est à nous? La réponse, oui. C'est à Dieu ou c'est à nous? Oui, Dieu nous fait persévérer. Il se sert de sa parole, entre autres, pour le faire. Il nous adresse un message qui est pleinement suffisant pour nous faire tenir la distance. Ce qui soulève la question, suis-je en train d'écouter? Ok, dira quelqu'un, mais ça marche comment? Quel est ce message qui nous fait tenir? Est-ce que c'est juste une sorte de discours motivationnel? Vas-y, tu peux le faire, je crois en toi. Non. C'est beaucoup plus puissant que ça. Ce n'est pas un discours motivationnel, c'est une promesse à laquelle nous devons simplement faire confiance. Regardez encore le début du dernier paragraphe, qui parle de la promesse d'entrer dans son repos. Le propre d'une promesse, c'est que c'est garanti si la personne qui l'a fait est fiable. Et c'est cette promesse qu'on doit à tout prix écouter. Jésus a déjà fait tout le nécessaire pour qu'on puisse entrer dans la nouvelle création. Et donc, Dieu a promis que si on est avec Jésus, on n'a rien à craindre, on pourra entrer. Notre rôle est simplement de nous accrocher à cette promesse. Ce qui veut dire que l'illustration de la randonnée est insuffisante, parce que quand on est vraiment fatigué, même les paroles les plus encourageantes ne suffisent plus pour nous faire avancer. Une meilleure illustration serait que ce n'est pas juste que le Seigneur nous encourage à avancer, c'est qu'il nous prend, il nous place sur son dos, il nous porte, et quand il nous parle, c'est simplement pour nous dire, ne descends pas dans le dos. Reste là, et tu arriveras au bout. Promis. C'est le moment d'ouvrir vos Bibles. Hébreux 12, les versets 1 et 2. Et on a l'habitude de tourner entre les tables. Donc, est-ce que quelqu'un de cette table-ci serait d'accord pour lire Hébreux 12, 1 et 2 et 11 enfin, si vous voulez vous lever pour qu'on entend tous. Vas-y. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai montré cette image de l'escalier qu'il fallait grimper pour arriver jusqu'au ciel. Quelle est la différence entre ça et l'image de la traversée du désert? Dans les deux, il y a une destination à atteindre. Quelle est la différence? Et la différence, c'est que selon Hébreux, selon le passage qu'on vient de lire, on atteint la destination accrochée au dos de Jésus. Le texte
Verbe 12 qu'on vient de lire parle, pas d'abandonner, mais de la course. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a une ligne d'arrivée qu'il faut traverser. Et comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on traverse cette ligne d'arrivée? En gardant les regards sur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que verset 2, il a souffert la croix en méprisant la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a déjà tout fait. Il a payé pour nos péchés sur la croix, la course est déjà gagnée. Dieu nous promet que si on s'accroche à lui, on recevra la médaille à la fin. Je ne sais pas si certains ici ont déjà fait un marathon. Est-ce que c'est le cas? Certains ont déjà fait un marathon? Non, des semis seulement. Comment? Des semis seulement. Des semis seulement, ok. Est-ce que tu en as fait deux? J'en ai fait trois. Ah oui, donc ça fait un marathon. Ça marche. Alors, j'ai jamais fait de marathon, mais on me dit que vers le kilomètre 30, le marathon c'est 42 km, vers le kilomètre 30, il y a ce qu'on appelle le mur. C'est le moment où le corps ne peut plus avancer et il reste encore 12 km à courir. Imaginez que vous êtes en train de courir le marathon, vous arrivez au kilomètre 30, le corps se fiche, vous ne pouvez plus avancer. Mais à ce moment-là, le meilleur coureur au monde, un Kenyan qui s'appelle Eliud Kipchoge, vient vers vous et dit « Écoute, j'ai déjà gagné la course, j'ai déjà ma médaille, maintenant monte sur mon dos, je vais courir jusqu'à la, jusqu'à la ligne d'arrivée, si tu restes là, tu seras récompensé aussi. » C'est fin. Illustration débile. C'est un peu ça le message qu'il nous fait. Pas juste un discours motivationnel, une promesse, Jésus a tout fait, accrochez-vous à lui. Et cette promesse, on doit constamment se rappeler. Je pense à un ami qui allait dans la vie chrétienne jusqu'au jour où il a péché très gravement. C'est une situation horrible. Une situation horrible, mais en fait, la vraie tragédie n'était pas tant de pécher lui-même, mais plutôt qu'il s'est mis dans la tête que c'était impossible pour un chrétien de faire ce qu'il avait fait. Pas possible d'être enfant de Dieu et de faire le juste pareil. Et donc il s'est éloigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a détourné son regard de Jésus et de sa promesse pour le poser sur lui-même et sur son péché. Et il a tiré la conclusion que la foi chrétienne ne marchait pas. Et si on pouvait revenir en arrière, j'aurais voulu lui dire « Oui, tu as péché, oui, c'est grave, mais c'est justement pour ça que Jésus est mort. Regarde vers lui, pas vers toi-même, et tu verras que la promesse est toujours là. Elle ne dépend pas de toi, elle dépend de la foi. » C'est en nous accrochant cette promesse-là qu'on tient jusqu'à la fin. C'est ce message-là qui nous fait avancer. Et en comprenant ça, ça nous aide à anticiper des dangers sur la route. Quelqu'un arrête de tenir quand il détourne le regard de la promesse de Dieu et le fixe sur ce qu'il voit de ses yeux. Ça peut arriver pour plusieurs raisons. Certains, comme l'ami de qui je viens de parler, détournent le regard de la promesse pour le poser sur leur péché et se découragent. Et on a toujours besoin de se rappeler que Jésus a déjà payé pour tout. N'avez pas chez vous. D'autres détournent leur regard de la promesse pour le poser sur leur problème. À quoi ça sert les chrétiens s'ils marient tout ça? Et ne soyons pas dupes, on a entendu ce matin, tant qu'on est dans ce monde, on aura des problèmes. Certains lutteront avec des maladies chroniques. Certains ne verront pas leurs ambitions se réaliser. On sera déçu par d'autres, y compris par des chrétiens. Et on décevra d'autres nous-mêmes. On rejoindra des églises, parfois décourageantes. On verra des personnes qui avaient fait profession de foi abandonner. On verra des épreuves et des difficultés. La vie dans le désert était difficile. Les Israélites avaient soif et mal aux pieds. On ne doit pas s'étonner quand on voit les difficultés dans notre vie. Pour tenir, on doit fixer le regard non pas sur ce qu'on voit maintenant, mais sur ce qu'on verra un jour. Le propre de la foi, c'est de croire que Dieu a des choses merveilleuses à nous donner, la fin des difficultés et bien plus,
mais qu'on ne le voit pas ça pour l'instant. Le propre de la foi, c'est de croire aux promesses de Dieu. Croire que Dieu va me donner absolument quelque chose qu'il n'a pas promis de me donner, ce n'est pas la foi. Et un autre mot pour ça qui commence par un F, c'est le mot fanatisme. Le propre de la foi, c'est de croire aux promesses de Dieu. Et enfin, d'autres détournent le regard de la promesse pour le poser sur leur plaisir ou leur projet, ou pour employer un langage plus biblique, leur poivre. Nombre, chapitre 11, verset 4 à 6, une fois n'est pas coutume, on va lire dans les dénombres, et j'ai mis ça dans le livret, donc est-ce que l'un de vous, les gars, pourriez lever et lire Nombre 11, verset 4 à 6, un des passages préférés de la Bible, et j'espère que vous allez voir pourquoi. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, commencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. Et les bonbons, et les melons, et les poivrons, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. » Vu leur gourmandise, les Israélites furent-ils français, je vois se poser ma question, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on parle? Un poireau, c'est quelque chose qui nous paraît meilleur que les promesses de Dieu. C'est quelque chose qu'on est prêt à poursuivre aux dépens de la promesse de Dieu. Pour les Israélites, c'était littéralement des poireaux. Retournons en Égypte, on y mangeait mieux. Pour nous, ce sera autre chose. Et les poireaux ne sont pas forcément mauvais en eux-mêmes. Je viens du Pays de Galles, c'est notre légume national. Je ne suis même pas sûr que la France ait un légume national, donc voilà. C'est notre légume national. Les poireaux ne sont pas forcément mauvais en eux-mêmes, mais les poireaux ne méritent pas de prendre la place de la promesse de Dieu du repos dans la nouvelle création. Quel pourrait être le poireau? Quelles pourraient être les choses qui risqueraient de nous faire demi-tour et ne pas aller jusqu'au bout? Cette relation avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, relation amoureuse, on se convainc toujours que ça n'impactera pas notre foi. Tombez pas dans cette erreur-là. Chaque couple où le non-chrétien s'est converti, vous en trouverez 10, ou c'est l'inverse qui s'est produit. Ou ce projet de carrière qui risque de m'happer complètement. Non, je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps pour aller à l'église, mais je vis parfois seul. 5 ans plus tard, avec le chrétien. Ou ce que j'ai appelé la dernière fois la French Dream. La belle maison à la campagne, même si elle est à 1 heure de l'église la plus proche. Au début, on fera peut-être l'effort d'aller à l'église à 1 heure de la maison. Au bout d'une année, on sera fatigué des trajets. Au bout de 2, on n'ira probablement plus. Au bout de 5, est-ce qu'on sera toujours chrétien? Il faut être tellement vigilant. On est assaillé de choses qui risquent de détourner notre regard de la promesse de Dieu pour le fixer sur les poivrons. Le plus triste, c'est qu'un poireau est clairement moins bon que les choses promises par Dieu. Je me demande quel pourrait être vos poireaux potentiels. Alors, comment ne pas rater sa vie? Premier élément de la réponse. Fixez les yeux sur la promesse de Dieu pour être sûr de tenir jusqu'à la fin. C'est bien de démarrer le voyage. Le plus important, c'est de terminer. Alors, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Moi, j'ai beaucoup parlé, un peu trop. Prenons un peu de temps maintenant, 10 minutes pour discuter. Vous avez à la page 4 quelques questions dont vous pourrez discuter autour de vos tables, et puis on se retrouvera dans 10 minutes. C'est à vous. J'espère que c'est utile pour l'occasion de poursuivre les échanges d'heures et pieds en lien avec tout ce dont on vient de discuter. Donc, comment ne pas rater sa vie?
D'abord, tout simplement, tenir jusqu'à la fin. Mais nous sommes invités aussi à investir dans ce qui compte en vue de la foi. Matthieu chapitre 6, 19 à 21, est-ce que quelqu'un peut faire aussi une semaine? D'accord, pour Matthieu 6, 19 à 21. Merci beaucoup. Donc, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Un passage qu'on a vu l'année dernière dans la série sur le sermon sur la montagne, et qui nous dit qu'un moyen de rester focalisé sur notre destination, sur la nouvelle création, c'est d'y investir déjà maintenant. Pensez à un projet dans lequel vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup investi à un moment, peut-être une mission au travail, que vous voulez absolument réussir, peut-être la préparation d'un concours, peut-être la recherche d'un appartement, un marathon objectif, moins de 2 heures, une personne dans l'histoire l'a fait, peut-être que vous voyez la deuxième personne. Quand on s'investit dans un projet, notre cœur gravite de plus en plus vers lui. Alors on y pense matin, midi et soir, on dit à nos amis qu'on va sortir, on arrête de manger des Haribo pour être en forme pour la course, on mange que des poireaux, tout tourne autour de ça. Et c'est ce que dit Jésus. Ce dans quoi on investit le plus sera ce vers quoi gravitera notre cœur. Verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où on investit le plus, là aussi sera notre cœur. Si ma priorité est de remplir mon compte en banque, où sera mon cœur? Dans mon compte en banque. Si ma priorité est d'avoir la belle maison au bord de la mer, où sera mon cœur? Sur ce logement-là. Mais si ma priorité est d'amasser des biens qui ont une valeur pas seulement dans cette vie-ci, mais aussi au-delà, où sera mon cœur orienté vers notre création? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus est en train de dire, faites attention de ne pas vous tromper d'investissement. Les enjeux sont trop importants. Votre choix de trésor va déterminer beaucoup de choses. Si vous investissez prioritairement, et je dis bien prioritairement, dans les biens de ce monde, dans le meilleur des cas, vous aurez investi dans des choses qui ne dureront pas. Et dans le pire des cas, votre cœur se détournera de Jésus pour poursuivre ces biens qui ne durent pas. Mais si vous investissez dans les biens du ciel, ça vous aidera à rester focalisé sur votre destination et en plus d'y amasser un trésor qui durera. Choisissez le bon investissement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'amasser des trésors dans le ciel? Qu'est-ce que ça veut dire d'investir pour la nouvelle création, d'investir en vue, d'investir dans ce qui compte en vue de la nouvelle création? Ça reste un peu flou, il faut le définir. Philippiens 1, 21 à 25, est-ce que quelqu'un de la table derrière serait d'accord pour lire Philippiens 1, 21 et 25? C'est Paul qui parle. Et n'utilise pas le trésor ou l'investissement, mais l'idée. Philippiens 1, 21 à 25. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être ici, ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous
votre progrès et votre joie dans la foi. Merci beaucoup. Contexte. Au moment d'écrire, Paul est en prison pour avoir prêché la bonne nouvelle de Jésus. Il attend son procès et sait que s'il perd, ce sera la peine de mort. Alors, puisque Paul avait compris ce qu'on a vu au dernier dimanche de la forme, que la vie dans la nouvelle création sera géniale, ça ne dérange pas de mourir. Mourir représente un gain. Il aimerait partir être avec Jésus, il attend ça avec impatience, mais son cœur balance. Est-ce que vous avez vu pourquoi? Verset 24, son cœur balance à cause de vous. Les chrétiens à qui il écrit, à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Est-ce que vous avez vu ce qu'il est en train de dire? Si ça ne tenait qu'à Paul, il aimerait partir pour être avec Jésus. Mais il y a peut-être quand même aussi des bonnes raisons de rester sur cette terre, si Dieu veut. Quelles raisons? Regardez le verset 25. Pourquoi rester sur cette terre? Quelqu'un voit. Pour votre progrès et votre joie dans la foi. Merci Maria, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Si Paul vit, c'est pour le progrès et la joie dans la foi du peuple de Dieu. C'est pour la croissance de l'Église. On va dire autrement. J'ai mentionné tout à l'heure le concept de la pophéliste. Je n'ai pas expliqué, peut-être que tout le monde ne connaît pas ce... Cette idée, ça vient d'un film sur deux hommes âgés qui se préparent à un mort et qui font une liste de toutes les choses qu'ils voudraient faire avant de partir. Et puis, depuis, ça s'est un peu généralisé, donc chacun fait sa liste de choses qu'il veut faire. Avant de mourir, je dois avoir fait une vie, je dois avoir bâti ma propre maison, je dois avoir fait un saut en parachute, ce qui risque de se produire juste avant la chance. Il a un petit. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à profiter des bonnes choses dans le monde que Dieu a créé. Dieu n'est absolument pas contre ça. Mais à mon avis, si Paul, si on lui demandait sa bucket list, répondrait « Ma liste est courte, juste une chose dessus. Ce que je veux, c'est le progrès et la joie dans la foi du peuple de Dieu. » Je veux juste voir l'Église grandir. Je veux juste voir des chrétiens tenir dans la foi et devenir plus matures. Je veux juste voir de nouvelles personnes croire en Jésus. Juste une chose sur ma bucket list, la croissance du peuple de Dieu en maturité et en amour. Parce que c'est la seule façon d'investir dans quelque chose qui durera éternellement. Autre exemple, 1 Corinthiens 3. 9 à 14, je crois qu'on est revenu à cette étape-ci. Est-ce que quelqu'un serait d'accord pour lire 1 Corinthiens 3, 9 à 14? Toujours Paul qui parle. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, d'être le champ de Dieu, la construction de Dieu. Pourtant, moi, la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé absolument comme un sage architecte. Et un autre construit de Dieu. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit de Dieu. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du champ, de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement, elle sera connue. Car elle se révélera dans le ciel et l'épreuve du Dieu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un a construit sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ah, verset 15. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Merci beaucoup. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. En un sens, l'idée dans ce passage est simple. C'est possible d'investir dans des choses qui vont durer. Tout comme c'est possible d'investir dans des choses qui ne dureront pas de manière utile. Paul utilise l'image d'un chantier où on construit un bâtiment et il nous avertit de ne pas être comme cochon 1 et cochon 2 dans l'histoire de trois petits cochons.
Voilà le niveau de culture littéraire. Cochon 1 et cochon 2 n'avaient apparemment pas fait de formation en BTP, car cochon 1 et cochon 2 construisent avec de la paille et des brindilles, et puis arrive le loup qui souffle de toutes ses forces, et la construction ne tient pas. C'est possible de bâtir des choses ou d'investir dans des choses qui ne durent pas. Paul parle dans ce passage d'un jour de jugement qui va tester si ce qu'on a construit au cours de notre vie est fait pour durer ou pas. Verset 13. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Est-ce qu'on va partir à quelque chose qui dure ou pas? Ok, dira quelqu'un, mais alors, qu'est-ce qui va durer? Si c'est ça l'enjeu, qu'est-ce qui va durer? Comment être sûr de ne pas bâtir en bas? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on construise, en fait? Alors, prenez 30 secondes pour relire le passage. Quel est le bâtiment qui est en cours de construction, selon ce passage? 30 secondes, quel est le bâtiment qui est en cours de construction? Qu'est-ce qu'on pense? Quel est le bâtiment qui est en cours de construction? L'église? Pourquoi tu dis ça? Par rapport à l'enseignement. Oui. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Exactement. Le bâtiment en cours de construction, c'est vous, c'est l'église, c'est le peuple de Dieu. Il le dit, vous êtes le champ de Dieu, il s'adresse à l'église de Corinthe. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. C'est vous, c'est le peuple de Dieu. Et bâtir l'église, et je le dis juste au cas où ce n'est pas clair, ce n'est pas bâtir un local avec des briques, je sais que la question est d'actualité, en collection, on parle pas de ça ici, c'est faire grandir un peuple. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Et donc Paul nous lance un défi, allez-vous aider à faire grandir l'église ou pas? La faire grandir en nombre, par l'ajout de nouvelles personnes, l'évangélisation, et la faire grandir en maturité, en s'aidant les uns les autres à tenir et à avancer dans la foi. On vient de voir pourquoi c'est mon genre. C'est comme s'il disait, les fondements ont déjà été posés, Jésus est mort et ressuscité, son esprit a été déversé, sa bonne nouvelle a été proclamée. Maintenant, allez-vous construire là-dessus de façon utile et durable ou pas? Allez-vous faire tout ce que vous pouvez pour que le peuple de Dieu grandisse? En investissant là-dedans, on investit dans ce qui dure. Dieu a dans ce monde un projet. Un merveilleux projet, un projet qu'il prépare depuis avant la création de l'univers. Un projet bien plus grand que votre prochaine deadline, le concours qui arrive, aussi important soit-il. C'est de bâtir un temple pour sa gloire, un lieu où il est connu et adoré. Et ce temple, c'est vous. Son peuple, avec tous ceux et celles qui, au cours de l'histoire, et à travers le monde, ont cru ou vont croire en Jésus. C'est un projet glorieux, un projet qui durera éternellement, et c'est ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut déjà investir là-dedans, ici et maintenant, en aidant le peuple de Dieu à grandir. Voilà comment on amasse des trésors dans le ciel. En investissant dans ce ciel. Ça paraît une folie. Quand vous vous retrouvez avec votre groupe de disciples dans un Starbucks, quand votre collègue vous pose une question sur votre foi et que vous essayez de répondre, vous êtes en train d'investir pour l'éternité. Alors que le contrat qui vaut des millions ou le système informatique sur lequel vous travaillez sera probablement oublié dans un an. Désolé pour la pensée. Et qu'on se comprenne bien, en disant que seul le peuple de Dieu durera, je ne dis pas que rien d'autre n'a aucune importance du tout.
c'est important de travailler pour subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. C'est important de travailler sérieusement pour avoir un bon témoignage envers nos collègues. Juste parce que quelque chose ne dure pas ne veut pas dire que ça n'a aucune importance du tout. Il y a des belles choses dans ce monde qui ne seront pas dans la nouvelle création et qui sont quand même importantes. Il n'y aura plus de mariage dans la nouvelle création. Par exemple, ce n'est pas pour autant que je ne vois pas aimer ma femme. Ce n'est pas parce que ça ne durera pas que c'est sans importance, mais tout ça étant dit, toutes ces choses, travail, mariage, famille, loisirs, devraient être encadrées et relativisées par une conviction. Le projet éternel de Dieu, c'est son peuple et la croissance de son peuple. C'est une des raisons pour lesquelles si je me marie, ça devrait être avec quelqu'un avec qui je pourrais m'investir dans ce projet-là. Quelqu'un qui veut servir Jésus. Alors, concrètement, avant de terminer, qu'est-ce que ça voudrait dire pour chacun d'entre nous d'investir en vue de la nouvelle création? Est-ce qu'on doit tous plaquer notre travail et devenir missionnaire à l'autre bout du monde dès cette semaine? Est-ce que demain, il faut poser sa démission et puis partir au fin fond de l'Amazonie? Il n'y a pas de mal à se poser la question. Pas de mal à se poser la question. Peut-être que pour certains d'entre nous, en fonction de qui on est, c'est effectivement une idée à laquelle on devrait réfléchir. Peut-être pas le faire totalement dès demain, mais une idée à avoir en tête. Peut-être que vous parlez une langue que pas beaucoup de chrétiens ne parlent. Peut-être que vous avez particulièrement à cœur de certaines régions du monde. N'écartons peut-être pas la question d'entrée de jeu. Mais pour la plupart d'entre nous, ce ne sera probablement pas la meilleure façon d'investir dans ce qui est. D'abord parce que Dieu nous a déjà placés sur un terrain de mission. C'est notre lieu de travail, c'est notre voisinage, peut-être aussi notre famille. Il nous a déjà donné un groupe de chrétiens à servir et à encourager ici, à Connexion. Mais aussi parce que Dieu nous a tous fait différents. On a chacun notre personnalité, on a chacun des dons différents. Et donc une meilleure approche est de poser la question suivante, ce que j'ai mis dans l'encadré à la page 5. Avec la personne que je suis, la situation qui est la mienne et les dons que Dieu m'a donnés, quelle est la meilleure façon d'investir pour la nouvelle création? Avec la personne que je suis, la situation qui est la mienne et les dons que Dieu m'a donnés, quelle est la meilleure façon d'investir pour la nouvelle création? Certains d'entre nous sont particulièrement doués pour encourager les autres à persévérer dans la foi. On a vu à quel point c'est important. Comment maximiser ce don? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, chercher un travail avec des horaires qui nous donnent la flexibilité de passer du temps à encourager d'autres chrétiens? Est-ce qu'on pourrait passer à 4 jours par semaine pour avoir plus de temps pour le faire? Non, je suis idée. Certains ont un don particulier pour expliquer la bonne nouvelle de Jésus à des personnes pas encore chrétiennes. Comment l'optimiser? Et soyons pragmatiques, si vous avez ce don-là, faire du 100% de télétravail n'est peut-être pas le meilleur choix, à moins que ça vous aide à évangéliser vos voisins. Un ancien pasteur disait qu'il trouvait qu'un très bon métier pour un chrétien, c'est le métier de coiffeur. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un devant nous, on a une demi-heure, ou en fonction de... Enfin, pour moi, c'est plutôt 3 minutes, mais on a du temps avec la personne qui a payé, donc la personne ne va pas partir, on peut discuter de tout et n'importe quoi, les gens racontent tout et n'importe quoi à leur coiffeur. Un très bon métier pour un évangéliste, pour un chrétien qui est particulièrement doué pour présenter la bonne nouvelle de Jésus à des personnes pas encore chrétiennes. Certains ont un don pour faire de l'argent. Est-ce que vous l'utilisez pour l'évangile? Derrière les grands mouvements de réveil dans l'histoire, il y avait souvent aussi de grands mécènes qui soutenaient financièrement la mission. Si c'est vous, est-ce que vous êtes en train de réfléchir dans cette optique-là? Et enfin, certains ont reçu des dons d'enseignement qui font que vous devriez réfléchir à la question du ministère de la parole rémunéré au sein de l'église locale. Comment allez-vous tester et cultiver ces dons? La France manque cruellement d'ouvriers.
réfléchit à l'idée de faire un stage, par exemple, pour voir si ce ministère-là est pour vous. Je pense qu'il y a au moins une personne dans cette salle qui serait ravie d'en parler avec vous. Et moi aussi, je serais heureux d'en discuter si c'est une question que vous vous posez. Comment ne pas rater ça? Deux mots, tenir et investir. Mes amis, n'avalons pas le mensonge qui dit que le seul objectif qui vaille, c'est de faire les meilleures études, décrocher le meilleur poste, gagner le meilleur salaire, acheter la plus belle maison, avoir la meilleure retraite, mourir dans le meilleur hôpital, être enterré dans le plus beau cimetière, avec la plus belle tombe et les plus belles paquettes qui nous à côté. On peut travailler pour quelque chose de beaucoup plus glorieux que ça. Qu'est-ce que ça voudra dire pour vous? C'est le moment d'y réfléchir et d'en discuter. On va prendre encore 10 minutes, peut-être 15 minutes, pour les questions à la page 6. N'oubliez pas de prier à la fin. Et puis, ce sera la fin de notre temps ensemble. 15 minutes maintenant pour discuter et pour prier. C'est la fin. Merci beaucoup d'être venus, les amis. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine séance. On est fait comme ça. Parce qu'il y a encore le temps d'aller porter un peu du soleil, le temps. S'il y a des questions, je resterai un petit peu si jamais il y a des questions sur quoi que ce soit. Sinon, merci d'être venu. Je vais prier rapidement et puis on va s'y. Père Céleste, merci pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci parce que tu nous montres, tu ne nous laisses pas sans indications, sans accompagnement pendant la vie que nous menons sur cette terre. Merci pour ta promesse en Jésus, du pardon, de la justification, de la vie avec toi, du fait de savoir qu'on a notre place dans la nouvelle création avec toi. Aide-nous à être lucides sur ce que ça veut dire de vivre à la lumière de ça. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen.